Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois, on avait commencé cette mission où il fallait voilà sécuriser. Oh là, ah oui, je me suis trompé. Voilà. Il fallait sécuriser la zone et on doit sauver le docteur Elena Lewandowski, qui a priori devrait se situer dans ce bâtiment. Donc là. On a des mécaniciens, je crois, non, je sais plus comment ils s'appellent, des techniciens qui vont nous déployer des tourelles. Eux, là, on a un sniper, là, on a encore un technicien qui va nous balancer une tourelle dans la figure. Et là-bas, on a deux soldats. On a certainement d'autres soldats qui doivent traîner par ici. Donc, sachant qu'il faut qu'on avance quand même, j'aimerais bien abattre le sniper, moi, là-bas, ça m'arrangerait beaucoup. J'aimerais bien faire des trucs un peu aussi. J'aimerais bien me mettre en vigilance. Parce que là, ils vont tous se ramener par là. Alors lui, il a quoi? Lui, il a ça. Ah ouais, lui, elle peut... C'est qui? Sophia Brown. Oh, elle se déplace loin. Avec ses deux actions. Deux actions. Ah ouais, mais il y a lui là, il va falloir faire gaffe ça. Et alors les deux soldats là, c'est pénible, on va être pris en sandwich un peu là. Va falloir réfléchir. Est-ce qu'on abat les deux là-bas? Est-ce que eux, ah ouais, eux ils sont un peu mécaniques là, je vais avoir le même problème que qu'avec la mission que j'avais échouée là contre les gros gros bah, les gros méchants là, je sais plus comment ils s'appelaient. Donc normalement ce fusil est plutôt efficace contre ceux de là-bas là, si je me souviens bien. Toi tu vas venir ici. C'est peut-être un peu près, mais bon. En vigilance par là. Voilà. Le snipe on va la mettre ici. C'est dangereux un peu, non? C'est qu'on peut la mettre. Hein. Là, le problème, c'est que les deux là-bas, ils vont me tirer dessus, là, d'ici. C'est peut-être plus malin de se mettre par là. Mais elle peut pas tirer. Donc. Si je tire déjà sur le sniper, là, comment je peux le viser, là? Ouais, j'ai une chance sur une de rater, quoi. Donc, on va pas faire ça pour le moment. On va se mettre là. Allez, si j'avance... Allez, vas-y. Tente le coup comme ça. Toi, le sniper, je préfère. Pourquoi je peux pas le tuer? Ah, ça dépend comment ça vise, mais. Ok. À lui, on lui fait des gros dégâts aussi, mais je préférais tuer le sniper. Vraiment, ça m'arrangerait mieux. Quoi? Comment ça se fait que je l'ai pas touché? C'est que ce bordel? Pourquoi ça lui a rien fait? J'ai touché son arme ou un truc comme ça, à tous les coups? Ah oui, ça l'a désarmé, il a plus d'armes. Ah, j'ai dû péter son fusil. Ah, ça m'arrange moyen, ça. Ça m'arrange moyen. Bon, alors, Flo Vincenzo, c'est lui. Lui, plutôt par là-bas, du coup. Par là... Je tire ou je me mets en vigilance? Peut-être qu'il vaut mieux que je me mette en vigilance. Parce que la tirer est là-bas dessus. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Vigilance par là. Contre ceux là-bas. Parce que là, je crois que ces armes-là, elles sont assez des balles. Elles sont pas trop efficaces contre eux là, qui doivent être plus mécaniques là, un peu. Qui vont sûrement m'embêter d'ailleurs. Toi, t'es placé là, t'es pas super bien placé, toi. Tu vas peut-être mettre par là. Ouais, tu vas te mettre là en vigilance, toi. T'es à couvert, tu vas te mettre en vigilance par ici. Voilà, et toi, t'as quoi comme arme ça? Oh, en plein milieu là.
Bah tant pis, on va se mettre comme ça, je crois. Et là, elle peut pas tirer directement. Si. Ah mais si je tire, je pourrais pas étirer et me mettre en vigilance. Sauf que là, vu comme on est loin, on va pas faire grand chose. Hein? Ouais. Vu comme on est loin, on va pas faire grand chose. Donc on va se mettre ici, en vigilance par là-bas. Voilà. Sniper, elle peut encore faire quoi? Rien. Non, maintenant on peut rien faire. Allez, terminer le tour. Bon. Comment ça va se passer ça? Ah, ça tire que 4 balles par contre. Allez, une tourelle. Bon, en hauteur en plus. Faut que je leur balance des grenades dessus sinon. Sniper, il a plus que son pistolet lui. Par contre, ça m'arrange pas du tout. Bon, lui, il va pas faire long feu, du coup, ça va être une cible facile. Oh là là, des tourelles. Quelle horreur, ça. Vigilance, ok. Donc là, il y a les deux soldats, là. Oh, il passe pas rouler. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il contre ma vigilance, cette espèce d'enfoiré. Ok, donc lui, il rentre à l'intérieur. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Il va mettre une tourelle en hauteur là. Oh là là. Ça va te planquer à l'intérieur. Ouais. Allez. Alors. Oh les tourelles. Ok, donc lui. Toi déjà, je pense que tu vas me tirer sur. Tu peux pas tirer sur le sniper là? Non, tu le vois pas. Tu ne le vois pas là? Ah mais il est loin en fait encore. Hein. Donc là ils ont posé deux tourelles. Si je veux les emmerder, il suffit que je me foute par là. Si lui... Parce que là mon sniper, sachant qu'il y a lui là et l'autre il est rentré là-bas à l'intérieur, ça serait peut-être plus malin de se diriger par ici. Parce que là, si je me mets là, je suis à découvert pour les tourelles. En me mettant là, je peux pas tirer sur l'autre là-bas. Là, il peut tirer sur lui là-bas. Je lui fais quoi lui si je lui tire dessus là-bas? Ouais, pas grand chose, hein. Pas grand chose. Il faudrait que je me mette là, mais le problème c'est que je suis encore à découvert des tourelles. Courir, ça me coûte qu'un point d'action. Pour un point d'action, je peux venir là. Attends, un point d'action là. Voilà. Et après, un autre point d'action. Alors attends, toi, tu vas venir ici. Je vais miser sur le truc du je suis loin d'eux, donc... Je peux pas lui tirer dessus à l'autre là-bas ? Ok, donc je suis obligé de me mettre ici. Ah, c'est nul ça. Ah, vas-y, mets-toi là. Sur lui là-bas. Visée libre. Oh, ça va être chaud de le toucher là. Oh, en plus, je le rate. Fantastique. Bon, toi, je crois que. Je pense. Je sais pas ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux que j'abatte lui, là, le sniper, qui m'embête? Et au moins on n'en parle plus. Ouais, je le tue même pas. Eux, je leur fais quasiment pas de dégâts. Ah si, quand même. Armure tech, Bora, machin. Ouais, je vais tirer sur eux. Le sniper, il me fait pas trop peur. Quoi, je l'ai raté encore? Ah, j'ai équipé son... J'ai endommagé son équipement, mais pas lui. Ok, vas-y, voilà. Très bien. Toi, tu vas te mettre ici. Tu
tu vas tirer sur lui là-bas, ouais, exactement. Oh non, mais il est complètement à couvert là-bas. Ça marche pas du tout. Bah vas-y, tire sur lui, c'est mieux. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Je peux pas me mettre en vigilance, tant pis. Toi. Pouah, d'ici, tu peux rien faire. Bah, ici. Ici, ce serait pas mal, ouais. Parce que t'es à couvert de tous les trucs. Je peux acheter une grenade aussi. Non, ici. Là, derrière, peut-être, mais ça sert à rien. Non, ça servirait pas à grand chose. Ok, bon, on va tirer sur lui là. Si on le tue, c'est pas mal. Si on le tue, c'est parfait. Ah, 10. 10 de saignement. Il a combien de PV? 12. Oh. Quel chanceux. Quel chanceux. Je peux tirer sur qui là? Technicien, la tourelle, ouais. On a dit qu'il faut qu'on essaie de sortir de la. Ouais, non, on va pas faire ça. Il faudrait que je sorte de la. Du rayon d'action des tourelles. Le mieux serait même que je vienne ici. Si je me mets là. C'est pas mal ça, non? La tourelle, elle doit pas pouvoir me tirer dessus, là. Oh! Intéressant, ça. J'abîme son bras. C'est quoi, ça? Structure. Structure clé. Est-ce que je peux le tirer dans la jambe, là? Est-ce que ça serait pas efficace? Et si je tire sur lui, là? Comment je peux le tirer dessus, là? Ouais, j'aimerais plutôt me mettre en vigilance, là, en fait. Sur lui là, ce serait peut-être plus malin. Toi, tu peux plus rien faire. Allez, on termine le tour, on va voir ce qui va se passer. Oh, 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 comme il lui a fait mal. Oh, il va le tuer. Putain, il l'a raté, heureusement. Oh là là, j'aurais dû me barrer de là, moi. Qu'est-ce qu'il va faire lui alors? Oh là là, il avance carrément. L'autre, il a plus que 2 PV là. Bon, il est mort au prochain tour lui, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Il va me tirer dessus au pistolet là, non? Ok, il m'a touché, ouais, bon, c'est pas grave. À la tête quand même, hein. Ah ouais, il y a lui là, il est ressorti. Oh là là. Oh là là. Bon. Oh, ça pique. Ça pique beaucoup, hein. Les tourelles là, elles défoncent. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Mais je suis derrière une couverture pleine normalement là, non? Pas assez apparemment. Comment ça, il tire 3 fois lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ils font pas terrible de dégâts. Hein. C'est pas ouf. Hein. Alors, bon, le sniper là, il va crever, c'est sûr. Il a du saignement. Il va mourir. Toi, ce serait bien que tu rates pas ton coup cette fois. Hmm, enfin, que tu le touches, quoi. Merci. Je préfère ça. Donc vas-y, on va essayer de. Ça le finit pas. Ça ne le finit pas. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça le finit pas. Bah, je vais abîmer lui plutôt. Raté, fantastique. Bravo. Bien joué. Toi, est-ce que tu peux te soigner? Oui. Tu peux te soigner et tu peux tirer sur lui qui est à découvert complètement. Pas tant que ça.
Putain, ils savent bien se positionner, ces salauds. Hein. Ils savent bien se positionner, ces salauds. J'aurais voulu me soigner, moi, quand même. Oh, mon bulldog, il est abîmé, là. Toi. Toi, ça servait à rien de te mettre à couvert, là. Ici, ce serait pas mal pour te mettre à couvert. Je serais trop près, quand même. Je serais beaucoup trop près. Toi. Tu peux peut-être tirer sur lui. Lining up a shot. Putain, mais à chaque fois ils sont bien placés hein. Chaque fois ils sont plutôt bien placés hein. C'est pas oufissime ça. Donc lui il saigne en plus. Pénible ça, c'est un petit peu pénible. Non, je voulais finir lui d'abord. Oh, putain, je suis bête. Si toi tu viens là, oh, mais il va être à découvert là. Putain, quelle horreur! Ouais, ça pue un peu du chiant cette partie. J'ai l'impression, moi. Toi, tu vas venir là. Tu vas venir ici et tu vas nous tirer sur lui, c'est pas mal, ouais. Tire pas dans son fusil, s'il te plaît, ce serait pas mal, ouais, très bien. Moi, j'aurais bien voulu tuer lui là, quand même. Dans un récupère 2 points d'action limite d'utiliser une utilisation par tour. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Ready. Toi, tu vas tirer sur lui. Te rate pas, s'il te plaît. Il est pas mort. Il est pas mort. Comment ça? Il a 2 PV quoi. Bon, il va mourir avec le saignement, mais. Mais bon. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Est-ce que je pourrais aller me mettre, moi? Faudrait que je finisse lui aussi, ce serait pas mal. Si je pouvais aller me mettre par là, là. Ici, là, c'est pas une case, là. Récupérer, oui, d'accord. Si je me mets là. Tu vas te mettre là, toi. Ah, il a plus de points de volonté, lui. Zut. Ça fait quoi, il va se barrer. Moi, je veux tuer lui. Moi. Oh, putain, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Restaure les points de volonté. Non, mais tu peux pas. Ah, elle peut tirer sur qui? Sur lui là-bas ou sur le sniper? Le sniper va mourir. Sur lui là-bas. Ça va pas être ouf ça. Ouais, c'est pas ouf du tout. Faut s'approcher un peu avec cette arme. Sniper, elle peut rien faire du tout. Il y a l'autre qui a besoin de récupérer. Bon, on va voir. Ok, les deux ils sont morts, parfait. Wouah, mais lui il, est... lui il va crever. J'avais complètement zappé lui, bah il va mourir. Ouf, il m'a raté. Alors ça c'est puissant cette arme, mais faut vraiment être prêt. Hein. Oh, j'ai de la chance. Enfin de la chance, je sais pas. Comment ça, mais il tire combien de fois lui? Sérieux? Lui ça sent la... ça sent le décès hein, pour lui. Ah oh, il va lui... non. Bah voilà. Putain. Oh là là. C'était pas un gars que j'avais juste recruté en plus. Je sais pas. Oh là, mais ils savent pas tirer, mes gars. C'est un truc de fou. Hein. Quelle horreur. Oh non, un medkit. Oh là là. Saleté. Bon, au moins, il se rapproche de moi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir les défoncer.
Voilà, et là il y a un autre mec qui arrive. Sniper, non? Fusil. Pinaise. Toi, ouais, il faut tuer lui. Hein. Là vraiment, il faut le tuer. Hein. Excuse-moi, mais te rate pas. Il est pas mort. C'est pas ce que j'appelle de une réussite. Hein. Attends, on est plus que 4 là. Mon sniper, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, non, tire avec ça. Tu fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Ah, si je fais tap, ça change de cible. Bah non. 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 Je peux pas viser sur le mécanicien là. Il est où le mécanicien? Ah oui, il est là derrière. Si je viens là, je peux tirer sur l'autre là-bas. Moi, ce qui m'arrangerait, ce serait d'abattre celui qui est en haut en fait là. En étant à couvert des tourelles là-bas. Si je me mets là, c'est pas mal, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. Faut que je le touche, quoi. Vas-y. Yes! Ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'était un... Ça, c'était très très bien joué. Je peux rien faire, je vais me mettre en vigilance, je sais pas comment. Hein. Comme ça, là. Vu que j'ai une... un tir au pistolet. Alors... Elle déjà faut qu'elle se soigne, c'est sûr. Voilà. Hop. Et ensuite, tirer sur lui. Voilà, très bien. Ok, toi, tu peux tirer sur lui, mais je suis pas sûr que ça lui fasse grand chose en fait. Ça lui fait même rien du tout. Il y a lui en haut. Non. Bon bah tant pis, on va achever lui. On va achever lui. Hein, ça en fera un de moins. Voilà, très bien. Ok, peut-être qu'ils vont... Non, ils ont perdu la volonté, mais ça n'a pas suffi. Toi, t'es là. Tu peux tirer sur lui là-bas deux fois. Là, ce serait bien ça. Vas-y, ouais, bah vas-y. Ok, encore. Punaise, mais c'est pas possible, elle se rate. Non. Termine le tour. Bon, ça a touché. Il va me tirer dessus maintenant. Eh oui. Eh oui, parce que je suis à découvert pour lui. C'est pas grave, je l'ai touché une fois. Il se met à couvert. Mais ils sont abusés eux, ils tirent combien de fois? C'est dingue ça. Oh non, lui il utilisait mes kits. Quel enfer. Ok, ça c'est bien, quelle riposte elle. Il en reste combien là d'ailleurs? Il y a encore un mécano à l'intérieur, non? Un technicien, un mécano, je les appelle mécanicien. Il y a encore un technicien à l'intérieur là. Oh là là, vas-y. Non, t'as pas le droit de faire ça. Ah, j'ai perdu un mec en plus. Oh, il y a encore lui là. Oh là là. Quelle horreur. Oh bien. Il fait quoi là? Ok, il s'est arrêté. Il retourne se planquer à l'intérieur. Oh là là. Putain. Oh, il est presque mort au moins. Alors, elle, va falloir soigner. Hein. Pas bien le choix. Pas bien le choix. Ouais, voilà. Va falloir recharger. Ok, et on va tirer sur qui? Sur lui ou sur lui? Comment on peut le toucher lui? Qu'est-ce qui est le plus malin? On va essayer de voir les autres qui peuvent faire. Toi.
tirer sur lui, c'est pas malin. Tirer sur lui, c'est pas bien malin non plus. Comment ça, ça te coûte un point pour recharger, toi? Non! Qu'est-ce que... Mais... Je voulais pas bouger, putain. Pourquoi elle peut pas tirer? Ah oui, elle peut pas tirer parce qu'elle a plus de balles. Vas-y, recharge. Attends, j'ai pas le choix. Putain, tout ça pour se remettre ici. Ça m'arrange pas ce que j'ai fait. J'aurais pas dû me déplacer. Tant pis, tu te mets là. Et tu tires sur lui. On va la voir petit à petit. Bon, ça lui fait rien du tout. Ok, ma sniper là au fait. Oh, elle a pas de soin elle. Oh, elle a pas de soin elle. Ça m'arrange pas du tout. Qui c'est que tu peux tuer là? Non. Lui peut-être. Lui tu peux pas le tuer hein. Okay. Ça m'étonnerait. Okay, okay. Non, ça l'achève pas. Mais par contre ça lui fait des dégâts. Peut-être qu'on pourrait lui faire des gros dégâts et puis bouger. Non, faut que je tue lui là-bas. Faut que je tue lui. Faut que je tue lui là. Vraiment. Vas-y. Voilà. Faut que je tue lui et que je vienne me mettre à couvert là. Ou à couvert là. À couvert là, ce serait mieux. Parce que là, je suis à découvert de l'autre en haut là-bas. Qui va sûrement vouloir me tirer dessus. Ou même là comme ça. Là je suis pas mal là, je pense que. Je pense que là, c'est pas mal du tout comme ça. Hop. Toi, tu peux plus rien faire. Toi tu peux tirer encore, donc tu vas tirer sur lui. Ok. Si tu te rates pas, ce serait bien. Hein ? Ce serait bien que tu te rates pas trop. Putain, t'aurais pu le tuer si tu avais touché les 4 coups. Ah bah toi tu vas tirer un coup sur lui. Ouais, allez, rate-toi pas. Oh là 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 là. C'était chaud chaud chaud. T'as pas de grenade toi? Non, bah vas-y, tire sur lui. Hein. 2 coups, c'est pas mal. Toi t'as plus grand chose. Allez, terminez le tour. Il va vraiment falloir recruter des mecs là. Oh putain! Lui, il va me retirer dessus, non? Oh là là, heureusement qu'il était loin. On était un peu en sandwich là, c'était pas ouf comme position. Hein. Bon, lui, je vais le niquer avec le sniper après. Lui, il va se planquer à l'intérieur. Là, viens te mettre là et tire lui dessus. Ah oui, il a plus rien lui. Il est mort là. Parfait. Parfait. Les tourelles du coup, elles ont servi à rien. Ça m'arrange. Toi, du coup, peut-être que tu vas te soigner. Ah mais j'ai pas d'autres kits de soins. J'ai bientôt plus de balles aussi. Hein. J'ai beaucoup tiré là. Donc l'autre là, il est apeuré, il est paniqué. Donc ça se trouve, il va aller se planquer tout seul. Par contre là, moi ce qui m'arrange pas, c'est que je peux pas tirer sur les tourelles. S'il faut que je nettoie tout. Peut-être qu'on peut aller chercher l'autre, là, la scientifique, là. Sécuriser la zone. Où c'est qu'elle peut tirer, elle? On peut pas voir sans...
Pas de ligne de mire directe. Oh, en fait, elle sert à rien, sa tourelle à lui là-haut là. Je pense qu'il va falloir que j'aille défoncer les tourelles de toute façon, à mon avis. Je suis pas sûr, mais je pense. Où c'est qu'on va se mettre pour... Alors toi, tu vas te mettre là, normalement d'ici. Elle, là, si je la mets par là après, elle pourra défoncer les tourelles peut-être. Au sniper serait peut-être plus malin. Toi, il faudrait que t'avances un peu à l'intérieur. Ce serait bien que tu viennes par là, toi. Here comes the Phoenix. Ok, l'autre il est en haut. Hein. Donc on va se mettre en vigilance comme ça. Vigilance comment? Comme ça là. Est-ce qu'il peut passer par les fenêtres là? Je sais pas. En mettant vigilance comme ça, on verra bien. Toi. Je vais pas pouvoir lui tirer dessus de toute façon. Je sais même pas si les tourelles elles vont compter dans le. Dans le compte des ennemis qu'il faut que je défonce pour la sécurisation de la zone. On verra bien. En tout cas, j'ai pris vraiment cher là. Parce que là, il est à l'intérieur, du coup, ça m'arrange pas trop pour aller le tuer lui. Si je viens. Je sais même pas s'il y a des ennemis en fait. Ça se trouve, il y a d'autres ennemis qui vont pop, tu sais. Qui c'est qui a du soin d'ailleurs encore? Ah ouais, donc elle pourra soigner elle, c'est bien. Ok, terminé le tour. Ok, toi tu vas venir soigner elle. Ah ouais, faut que je vienne là d'abord. Hop, soigne elle. Pouf. Très bien, moi elle saigne plus. J'ai plus de soins, mais c'est pas grave. Alors toi tu vas venir ici. Et tu vas tirer sur la tourelle. Ça la tue même pas quoi. Ça la détruit même pas quoi. C'est un truc de dingue ça. C'est un truc de dingue. Toi. Il va falloir aller le tuer par en haut. Comment on va faire pour aller le tuer par en haut lui? On fait le tour par là sinon. Parce que là où c'est qu'il peut aller, lui il va se mettre en vigilance, puis c'est tout quoi. Tu vas venir là toi. Hop. Par l'intérieur là peut-être après. Si on monte et qu'on a... Ouais, on va faire comme ça je crois. Toi tu vas venir ici. De là il peut pas nous toucher d'en bas. Hein. Là-bas peut-être, mais pas de là-bas. Toi, du coup, non, il reste elle. Je vais la mettre en vigilance par là, au cas où il décide de sauter, lui, de descendre. Vigilance par là, là, comme ça. Là. Voilà, allez, terminer le tour. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah voilà. Allez, vas-y. Quoi? Comment ça? Non mais il peut pas tirer là. Si, mais il s'est déplacé tout ça. Oh, elle a pris très cher. Il va pas tirer encore, si. Non. Non, il va pas tirer encore. Achève-le. Qu'on n'en parle plus. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. Très bien, je sais pas du tout où était la scientifique là, mais en tout cas, c'était très très chaud, hein. Vraiment. Ardarin, passer à un niveau supérieur, allez. Eh ben, c'était tendu, hein, cette mission. Il va falloir qu'on retourne à la base pour soigner. J'ai perdu un mec, du coup, aussi.
J'ai dû ramasser des trucs un peu, non? Je crois que dans cette mission, tout ce que je ramassais était ramassé. Je sais plus, je me souviens pas du tout. On va voir, peut-être pas. Peut-être pas. Parce qu'ils ont lâché des armes un peu par terre, là. Mais peut-être pas, du coup. Ah, j'avais pas vu le temps aussi, donc ça fait 35 minutes que... Voilà. Sûrement, il doit y avoir une vidéo, un truc comme ça qui se charge, voilà. Decades were needed to get to this point. The old Phoenix Project didn't want to see. New Jericho didn't want to accept. I really hope the third time's a charm. We have always been so busy focusing on recent phenomena. We ran in circles, researching the mists, the Pandora virus, the thousands of mutations that appeared, but never searched for its true origins. We weren't the first to deal with this. Randolph's grandfather found evidence of sites and artifacts predating known history. With the ice caps melted, we stand a better chance of finding them than he ever did. Mm-hmm. Avec le docteur Lewandowski à bord. Oh, 350 de recherche, pas mal. Nous pouvons plonger dans les secrets du passé. Elle est convaincue qu'une civilisation énigmatique précurseur a jadis existé sur Terre, ses ruines disséminées aux quatre coins du globe. Un centre pour l'étude archéologique antédiluvienne peut être utilisé pour découvrir les ruines de cette civilisation. Nous avons espoir que les secrets anciens que nous découvrirons pourront nous aider à réprimer la menace pandorienne. D'accord, nouvelle recherche disponible. Très bien. Fabriquer cet objet, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tiens. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est le pistolet? Non? C'est quoi? Parce que j'ai le fusil machin maintenant, non? Je sais plus. Alors, du coup, là, on était ici. Et notre autre vaisseau, il était là-bas, il allait se rendre... Ah oui, au troisième point de mission, là, c'est ça? Ah non, une base. Est-ce que j'allais à la base? Je me souviens plus. Oui, c'était pour aller là-bas, après. Ok. Là, il y a ça. Construire une unité de confinement. Ça, je suis en train de le faire. Et le labyrinthe, c'est pas du tout là. Ok. Ah, lui, il est là. Et lui, il est là. Là, il faudrait que je retourne à ma base pour me soigner quand même. Ce serait pas mal du tout. Il faudrait que je recrute quelqu'un d'autre aussi, du coup, parce que j'ai que 4 soldats. J'ai plus que 4 soldats. Voilà. Hop. Donc, lui, il est arrivé ici. Donc là, activer la base. J'ai pas assez de toute façon. Il me faut des ressources comme ça. Donc tu peux pas, toi. Et donc lui, il peut pas se déplacer là. Je peux pas venir ici, quoi. Mais comment j'y vais sur ce continent, du coup, là-bas? Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je pensais que ça allait me faire découvrir des trucs par là. Se déplacer. Ok, eux, ils sont arrivés. Lui, il a gagné un niveau. Faut que je m'arrête, faut que je m'arrête. C'est l'heure. Alors, Ardarin, il a gagné un niveau, il a 60 points de soldat. Ça fait quoi? Tir de riposte, effectivement. Oui, ça c'est très bien, confirmé. Ok, et on va lui donner de la vitesse, de la puissance et un peu plus de volonté. Mais même deux fois plus de volonté, voilà. Ok, donc dans les recherches maintenant, j'ai un nouveau truc, du coup, sentinelle. Donc, non, c'est pas ça. C'est ça. L'archéologie antidiluvienne. Alors ça c'est pas mal, ça va me permettre de les tuer mieux. Un VDM Defender. Fusil d'assaut Ghost de la Nouvelle Jéricho. Ah donc j'ai bien récupéré les trucs... Les trucs des mecs là. Dégâts 30, déchiquetage machin, 40... Bon, je pourrais le faire vu que je m'en sers pas. Ouais mais ça me prend du temps de recherche. Ça me prend du temps de recherche, ça m'embête un peu. J'aimerais bien faire ça, moi. Ouais, ça serait pas mal. Ça, non. Bon, allez, en tout cas, eux, ils vont se soigner, déjà. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait 40 minutes que je tourne, donc je vais
mettre fin à cet épisode. Allez donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!